Yo, salut tout le monde, ici Akous. Pour cette vidéo, je vais enfin pouvoir vous présenter le build de ma bulle lame. Nous ne serons certes pas niveau 100 pour des raisons évidentes de temps, cela dit, la version actuelle me semble suffisamment aboutie pour vous la présenter. Une fois cette présentation effectuée, nous irons ensuite tester contre des boss. Donc c'est parti. Le passif permet de piocher le sort Boom Boom lorsqu'on joue un sort à plus de 3 cases de notre adversaire, ce qui permet de spammer le sort sans perdre en carte advantage. De plus, le passif permet de tuto notre bumbon tôt dans la partie en lançant n'importe quel sort sur l'adversaire. Le sort d'arme, quant à lui, est le bumbon qui nous offre une jauge neutre et peut appliquer un rebond sur un état éventé. Il s'agira là du sort que l'on va le plus jouer pour prendre soit des zones rebond très value ou simplement remplir notre jauge neutre sans perdre en carte advantage. A noter que, même sans appliquer le rebond, ses dégâts sont excellents. Pour les stats, on part sur un build orienté essentiellement sur les dommages de sorts qui seront notre source principale de dégâts. Pour les anneaux, on a un anneau de Tillus qui permet de gagner 2 points d'action à condition de jouer 3 sorts dans le tour. Le deck permet de faire très simplement des tours à 3 sorts, même au tour 1. C'est d'ailleurs ce que l'on cherchera à faire à chaque tour, jouer au moins 3 sorts. Ces 2 PA gagnés nous permettront de mettre encore plus de value sur notre stat de dégâts de sorts qui, je le rappelle, est notre source principale de dégâts. On a ensuite l'anneau d'île de Ray qui nous permet de réduire de 1 point d'action le coût du prochain sort joué lorsque l'on consomme la réserve. Toujours dans la même optique de lancer encore plus de sorts pour pouvoir proc l'effet de notre anneau Tillus et profiter de davantage de dégâts par tour. Ensuite, l'anneau Rifique nous permet, contre un setup très simple à mettre en place, de réduire de 1 le coût en PA de tous nos sorts joués pour le tour. Permettant par exemple d'envoyer 3 bumbons dans le tour, générant ainsi 3 jauges pour un carte advantage de plus 1. On décidera soit de garder nos 5 PA de réserve plusieurs tours pour pouvoir profiter de l'effet plus d'un tour, soit de cramer la réserve pour faire un énorme tour de combo. En ce qui concerne le tour de combo et son setup, j'y reviendrai lors de la présentation des compagnons car 2 compagnons sont cruciaux pour le jouer. Et enfin un anneau plus simple. L'anneau optimal nous permet de profiter de zones de bumbons tôt dans la partie tout en nous offrant de très hauts dommages de sort. D'ailleurs, il est à noter que mes anneaux ne sont pas tous au niveau souhaité, mais cela n'empiète pas sur la présentation du build dans la mesure où les niveaux supérieurs n'apportent que des stats supplémentaires sans changer le gameplay. Enfin, je n'ai pas mis de gemmes car le build ne tourne pas du tout autour de ses sorts. En termes de compétences, je vais vous les montrer dans l'ordre de celles que j'ai montées. J'ai monté la posture de l'air qui permet de potentiellement réduire le coût en PA de nos sorts air, et la réminence venteuse qui peut nous permettre de gratter des états éventés. Évidemment, les deux sont compatibles. Lorsque j'envoie un sort air, je peux à la fois appliquer éventé et réduire le coût en PA de mon prochain sort air. Ensuite, dans la voie haut, j'ai monté Archer des Mers qui peut nous permettre de gagner des mires en fin de tour, mires dont les dégâts se calent sur le dommage de sort, puis Repli du Torrent qui permet, sur n'importe quel déplacement, d'avoir 35% de chance de devenir inciblable. Ces 4 compétences me permettent d'ouvrir la voie héroïque de glace dans laquelle j'ai monté Mire Cosmique qui permet surtout de changer les mires en mire cosmique, permettant ainsi de profiter de quelques dommages de zone supplémentaires. J'ai décidé de ne pas investir davantage pour le moment, dans la mesure où notre build n'a qu'un seul moyen de générer des mires, notre Archer des Mers et ses 60% de chance de proc. J'ai préféré investir mes points en priorité vers des compétences plus solides pour minimiser la variance due à l'aléatoire de mes gains de mires. J'ai ensuite monté Echo Miroir qui permet d'avoir des sorts résonance sur un rebond de 3 mobs ou plus. L'effet supplémentaire est anecdotique au niveau 1, permettant uniquement d'infliger un dégât de rebond supplémentaire. A noter qu'au niveau max, la compétence permet d'avoir 17 dégâts de rebond supplémentaire avec mes stats actuelles. J'ai également décidé de ne pas l'augmenter davantage pour le moment, car il ne me semblait pas prioritaire d'investir des points dans une compétence qui proc uniquement dans un cas favorable, c'est-à-dire lorsqu'il y a déjà une zone rebond. Je préfère avoir quelque chose de plus solide me permettant de sortir d'une situation défavorable et pas uniquement chercher à rendre les cas favorables encore plus favorables. Évidemment, ces 2 compétences héroïques seront à monter par la suite lors des montées de niveau. J'ai ensuite monté Repli de la montagne qui permet de gagner un bouclier sur un déplacement. Associé à l'Archer des Mers, cela nous permet d'avoir 55,75% de chance d'avoir soit un ciblable, soit bouclier sur un déplacement. On essaiera bien entendu de se déplacer à chaque tour si possible. J'ai enfin monté Repli de l'Ouragan qui permet d'avoir une bonne chance de reculer de 2 cases sur un sort lancé en ligne. Ce qui permet non seulement de pouvoir reprendre de la distance, mais aussi de pouvoir faire proc un de nos 2 replis précédemment cités. On passe au sort. Pointe venteuse et pointe acérée permettent de placer 2 éventés pour notre bumbon. De plus, le PA offert par ces 2 flèches nous permettent de proc l'effet de notre anneau d'île de Ré. Flèche affligeante et tir mordant sont placés pour la même raison. L'effet secondaire de tir mordant sera d'ailleurs anecdotique.
A noter que pointe affligeante et pointe acérée sont deux très bons moyens de jouer 3 sorts au tour 1 dans la mesure où, grâce à l'anneau d'île de Ré, ils seront gratuits à jouer. Ensuite, j'ai mis pointe harcelante et pointe répulsive dans une même optique, créer des zones de rebond ou mettre hors de position un ennemi. De plus, ces sorts sont des sorts air, ils vont donc synergiser avec nos deux compétences air. Enfin, j'ai mis dérobade et acrobatie pour à la fois esquiver les corps à corps, mais également pour avoir plus de chances de proc une de nos deux compétences de bouclier ou d'inciblable. En termes de compagnons, j'ai placé l'oracle offensé qui nous permet de repousser des ennemis ou de les placer en zone rebond. De plus, une de ces compétences permet d'effectuer un repoussement à l'apparition, ce qui permet de faire encore plus de placements ou simplement nous offrir une chance supplémentaire de proc nos compétences défensives. J'ai ensuite mis Asa qui nous permettra d'appliquer davantage d'états éventés, états qui peuvent bien entendu permettre de réduire le coût en PA de nos sorts R. Puis j'ai mis Gousset qui nous permet, grâce à une de ses compétences, de nous offrir 2 points d'action, permettant ainsi de setup les 5 PA de réserve très simplement par exemple. Pour finir, j'ai mis Chuchir qui permet de réduire le coût de nos sorts afin de mettre davantage de value sur notre statistique de dommages de sorts. Là où le compagnon devient vraiment intéressant, c'est grâce à sa compétence lui permettant de rejouer son tour lors du kill d'un mob au sort, permettant ainsi d'apporter une énorme plus-value à nos gros tours de combo. Chuchir pourra à la fois attaquer de nombreuses fois, tout en réduisant plusieurs fois le coût en PA de nos sorts dans le même tour. Voilà qui conclut la présentation du build, on va maintenant passer au combat. Pour ces 3 combats, je vais choisir la difficulté 18, car c'est celle qui correspond le plus à un build de niveau 62. Pour le savoir, il suffit de regarder le niveau moyen des anneaux droppés. J'aurais pu choisir une difficulté bien supérieure, que j'ai déjà réussi, mais cela ne m'intéresse pas. Je préfère évaluer les builds par rapport à l'équilibrage déterminé pour le jeu. On commence avec le boss du donjon chasseur. Donc ici, ma main de départ me permet de balancer 3 sorts, donc je vais juste partir sur un tir mordant. Ensuite, je vais cramer la réserve. Ma pointe harcelante va donc coûter un seul point d'action, puis j'aurai 3 points d'action pour pouvoir compléter le tour avec un bumbon. Donc j'en profite en même temps pour reculer un petit peu le chasseur ennemi. Alors, ici adversaire qui donne du bouclier, ou plutôt de l'armure, et qui m'inflige quelques petits dégâts. Ensuite, il avance ses chasseurs. Et là, j'ai un petit peu de réussite. L'avorton est bien placé dans une zone. Ici, je vais pouvoir profiter de 2 zones rebond dans le tour. Sauf que malheureusement, je n'ai pas joué autour du critique. J'aurais dû consommer l'état du boss et ensuite celui du Picos. A noter que j'ai reculé d'une case grâce à l'alignement, ce qui m'a permis de gagner un bouclier. Je vais ensuite compléter mon tour avec un bumbon sur l'autre Picos et invoquer mon gousset à son corps à corps. On a donc le setup de 5 points d'action dans la réserve au tour 2. L'adversaire va nous attirer de 3 cases pour nous mettre dans la mêlée, donc ici on va prendre beaucoup de dégâts. J'aurais peut-être dû garder mon gousset à côté de moi afin de jouer autour de ce sort. Bon, ici je commence le tour avec mes 5 points d'action, je vais donc pouvoir partir en gros combo. Je commence par reculer et crame la réserve. Je vais ensuite jouer un bumbon sur le Picos, un autre bumbon sur le Picos. Ici je vais partir sur une autre cible, donc je vais partir sur l'avorton sûrement. Voilà, donc je tape le boss parce que les dégâts de gousset ne me servent à rien. Là je vais taper le boss, ensuite je vais achever le Picos, j'aurais peut-être dû le faire avec l'aimanté, ce qui fait que Chuchir peut retaper. Je vais achever un autre avorton, Chuchir peut retaper, je vais taper un autre avorton avec le bumbon. Il me reste encore 6 points d'action. Ici je vais achever cet avorton, puis je vais taper avec Chuchir qui peut rejouer en la plaçant ici. J'invoque Asa. Ensuite je vais balancer 2 bumbons sur cet avorton afin que Chuchir puisse à nouveau attaquer. Donc il me reste qu'un seul point d'action, je vais attaquer avec Chuchir, voilà. Je vais balancer ma résonance qui a été bien chargée grâce à ce tour. Et vu que la pointe répulsive ne me coûte que 1 point d'action, je vais pouvoir terminer le boss. On est donc contre le Bwork. Alors premier tour, je vais balancer la pointe venteuse sur ce mob là pour pouvoir profiter de 2 zones rebond extrêmement value et ainsi gagner 2 sorts résonance dans ma main dès le tour 1. Voilà, donc je sais pas si la disposition de la salle est faite exprès, mais du coup ça offre une énorme value au rebond dès le tour 1. Donc ici les mobs ils avancent. D'ailleurs rien à faire de tous les charger en rage, hein. De toute façon ils ne sont pas à ma portée, donc ce n'est pas grave. Ici dans un premier temps je vais essayer de mettre de la value sur la mire que je viens de générer en profitant d'une petite zone. Puis à ce moment les mobs sont tellement low life que je peux directement invoquer Chuchir et faire un maximum de ménage. Donc là je vais taper le mob, donc mon bumbon est très peu cher, mais je vais envoyer la pointe affligeante qui a suffisamment de dégâts pour tuer. Ensuite je vais tuer ce mob là avec la pointe acérée, Chuchir peut rejouer,
Je vais pouvoir balancer un autre bumbon. Voilà, Shushir peut encore rejouer. Donc là, je vais pouvoir finir le boss tout simplement avec un bumbon et deux résonances. Et en plus, même si ça ne change absolument rien, la première résonance fait un coup critique. Pour ce troisième combat, nous sommes contre les boss du donjon cochon. Donc ici, dans ma main de départ, j'ai la flèche affligeante. C'est très bien. C'est ce qui va me permettre d'envoyer flèche affligeante plus double bumbon, afin donc de charger mes points d'action de réserve. Je gagne aussi un petit bouclier sur mon déplacement. L'adversaire invoque un mécanisme qu'on ne va pas prendre la peine de focus, et il avance juste ses mobs. Ici, je vais juste commencer par craber la réserve afin de pouvoir balancer 3 sorts en un tour. Donc c'est parti, un premier bumbon, avec la mire qui fait ses dégâts. Il faudra juste que je set up un point d'action dans ma réserve, donc je vais le faire avec un tir mordant. Voilà. Et ensuite, un deuxième bumbon, que je vais placer sur les ninjadines, hein, que je vais essayer de focus le plus rapidement possible. Et je vais laisser un gousset à mon corps à corps afin d'empêcher une ninjadine de se téléporter. Ici, l'adversaire gaspille ses sorts sur mon gousset, donc ça m'arrange. Et charge l'empereur avec deux auras. La ninjadine va casser son corps à corps sur notre bouclier. Et ça va terminer le tour. Ici, je vais pouvoir profiter de l'excellente value pour infliger un énorme rebond. Voilà. Il y a même la mire qui va faire ses petits dégâts de zone. Ensuite, je vais faire en sorte de ne pas achever les mobs avant l'arrivée de Shushir. Donc, je vais envoyer une pointe acérée sur la ninjadine afin de pouvoir profiter d'un rebond plus tard. Donc ici, je vais continuer à mettre des dégâts sur l'impératrice. Voilà, donc il me faut encore une seule jauge pour pouvoir invoquer Shushir. Voilà, à ce moment-là, je peux invoquer Shushir, c'est parti. Donc je vais envoyer son coup de corps à corps sur l'empereur, car je peux clean les autres sans avoir besoin de dégâts supplémentaires. Donc c'est parti, j'envoie le bimbon. Je vais attaquer l'empereur. Je vais tuer la deuxième ninjadine. Je vais encore attaquer l'empereur. Ensuite, je vais passer sur le protecteur. Donc c'est parti, gousset qui attaque, un bumbon, un deuxième bumbon, un troisième bumbon. Donc là, je ne peux pas finir à ce tour-là, donc je vais invoquer mon oracle offensive qui me permettra de mettre loin l'empereur, afin d'éviter de me faire tuer à ce tour-là, tout simplement. Il ne me reste que deux points d'action. Je vais donc forcément envoyer les deux résonances, afin d'éviter de perdre toute la value que j'ai accumulée ce tour-ci, grâce à mon gros tour de combo. Et je vais finir mon tour sur une pointe répulsive et l'attaque de Shushir. Donc là, c'était un petit peu juste au niveau du timing. Donc ici, l'empereur qui éclate ma Shushir avec un énorme coup critique. Voilà. Alors ensuite, les Ninjadin qui décide de focus l'oracle offensé. Donc moi, ça m'arrange plutôt bien. Alors ici, je vais commencer à clean l'empereur, tout simplement. Tant pis pour l'état éventé, je vais lui envoyer un bumbon et un deuxième afin de le tuer. Donc maintenant, il n'y a plus beaucoup de menaces sur le terrain. Il reste juste deux ninjadines. Puis, je vais me barricader avec des compagnons pour éviter que les ninjadines se téléportent à mon corps à corps. Ici, mon oracle offensé va prendre un spell de dégâts, qu'elle va d'ailleurs esquiver. Puis, les ninjadines vont juste s'approcher. Donc là, je vais pouvoir attaquer avec mon oracle offensé afin d'approcher les ninjadines. Voilà, donc ici, je peux profiter d'une petite zone rebond. Puis, je vais envoyer ma flèche affligeante afin de pouvoir jouer 3 sorts en un tour. Voilà, donc là, le deuxième bumbon. C'est parti. Et là, je vais juste pouvoir finir ce combat grâce à une résonance. On va s'arrêter là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Bonne journée ou bonne soirée, c'était Akous. Ciao.